Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la sixième étape de la collection Montez votre Peugeot 205 GTI 1 litre 9. L'étape est là, les pièces sont là. Découvrons tout ceci juste après ce générique. Et donc aujourd'hui, étape 6, donc on a les pièces, on va continuer sur le moteur, donc on va continuer à monter le moteur, à savoir le distributeur, ici la tête du distributeur et la capsule à dépression. On positionnera ensuite la culasse et donc on a pas mal de petites pièces hein, dans cette étape 6, hein, on posera le boîtier de thermostat sur la culasse. On connectera l'extrémité donc des câbles. On a reçu pas mal de câbles, on les verra ensuite. Et puis voilà un aspect général de l'étape 6. Allez, découvrons les pièces. Et donc dans cette étape 6, les pièces qui nous sont fournies, c'est tout d'abord ici la culasse avec les bougies d'allumage superbement bien reproduites. Cette pièce qui est en métal. Nous avons ensuite le collecteur d'échappement. Quelques autres petites pièces hein, avec ici le couvre-culasse et plein de petits tuyaux, tête de distributeur, le boîtier du thermostat. Nous avons des vis qui nous sont fournies et on va monter tout ça ensemble et en vidéo. C'est parti. Donc tout d'abord, première étape, on va installer donc le distributeur sur le couvre-culasse. Donc comme ceci, on maintient les deux pièces en plastique et on visse l'ensemble avec une vis AP. Ensuite, on va prendre le deuxième distributeur que l'on va installer sur le premier distributeur, tout simplement. Et on y met également une vis AP. Ah, la vis est en place. Maintenant, je vais serrer l'ensemble. Ensuite, on va installer la tête de distributeur ici. Elle se clipse tout simplement. Voilà. Et ensuite, on va prendre la capsule à dépression que l'on va mettre sur le côté. Donc, elle a un petit détrompeur. Et voilà, c'est installé proprement. Voilà le résultat. On va installer ensuite le collecteur d'échappement sur le côté. Donc on va fixer sur le côté donc de la culasse avec deux vis AP. Donc j'ai changé de tournevis car celui-ci est beaucoup plus pratique d'accès. Donc j'ai plus qu'à visser avec deux vis AP. J'y vais délicatement parce que là c'est faut visser, c'est pas facile, hein. L'accès est pas facile. Et on y va. Donc maintenant on va positionner le couvre-culasse sous la culasse, tout simplement, hein, et on va la fixer avec deux vis AP. Le résultat. Ensuite, on va positionner donc le distributeur sur le boîtier du thermostat que l'on va fixer gentiment avec une vis AP. On va ensuite installer le boîtier du thermostat donc sur ce que l'on a monté précédemment avec deux vis CM. Et mettre la deuxième vis.
On va ensuite positionner les deux guides câbles. Donc on va les mettre sur le côté. Donc c'est tout petit, mais il y a un détrompeur. Voilà, ça rentre comme il faut. La deuxième, pareil, sur le côté. Donc c'est en demi-cercle. Donc on ne peut pas se tromper. Il y a un sens. Voilà, on le met bien sans casser le picot. Et voilà. Donc on va ensuite installer ces câbles donc à l'une des bougies de la culasse pour éviter que le câble soit trop gondolé. Je vais bien tout simplement lui mettre une tige, enfin une petite barre de fer hein, à l'intérieur. Au moins ça va rigidifier un petit peu le câble, ça va lui donner un petit côté un peu plus réel à la chose. Voilà, là, le câble il est un peu plus, il sera un peu plus raide. Donc je vais installer le premier. Donc voilà le résultat après le montage des tuyaux, des culasses, enfin des bougies de culasse. Bien sûr, j'y ai mis une barre de fer, enfin du fer à l'intérieur pour que ce soit plus dur, pour que ça prenne de vraies courbes, et donc le résultat est beaucoup plus réel, et je trouve la finition superbe. Voilà. Et donc maintenant, pour terminer, on va installer le tuyau de reniflard qui vient sur le dessus. Voilà. Et puis, il restera comme ça pour l'étape 6. Voilà. Le résultat. Voilà les amis, l'étape 6 est maintenant terminée. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, comme d'habitude, on s'abonne, on partage, on met un petit commentaire si on en a envie. Vous avez les liens dans la description, s'il y a toujours la réduction qui est toujours valable. Je vous dis à bientôt, bonne journée et surtout, surtout, portez-vous bien.